Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ok, nous commençons. Oui, bon, oui. Alors, on a rappelé que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, maître Montferrier Dorval, a été lâchement assassiné dans la nuit du 28 août 2020 en sa résidence privée, 6 appels et 5. Donc, informé de situation, commissaire gouvernement accompagné de juge de paix, de la police et du médecin légiste qui est transporté sur les lieux. Et nous avons fait ça selon le vœu de l'article 34 du code d'instruction criminelle qui voulait que s'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le commissaire du gouvernement se fera assister d'un ou de deux médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui feront le rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Donc, pratiquement, selon le premier élément d'information, ça ne gagne rien, c'est que Batonia a recevoir deux cartouches au niveau de la poitrine. Et nous retrouver des drouilles qui entre les mains de la DCPJ, la police scientifique, nous prélever des empreintes que nous pourrons analyser. Et en fait, côté bâtonnier habité, et surtout dans zone, son zone qui est pratiquement privée d'éclairage. OK? Donc son zone qui presque pas d'éclairage et selon l'information que nous gagnons tout, t'assemblée par une caméra de surveillance caille bâtonnière. Donc, il n'y a pas retrouvé Bousli, il n'y a pas retrouvé téléphone portable, mais pour le moment, nous gagnons des agents de la DCPJ enquêteurs qui retournent sur les lieux au fin de réaliser une enquête de voisinage. Parce que c'est très important. Et par la suite, on va procéder à l'autopsie du cadavre. Donc, nous-mêmes, ça n'a pas dit, c'est que son crime qui révoltait la conscience nationale, professeur Montferrier Dorval, c'est un éminent professeur, c'était un éminent avocat qui malheureusement tombé dans ces circonstances-là. Donc, il a été lâchement assassiné et nous autres, au niveau du parquet, n'a fait tout ça dépend de nous pour que Batonia les joigne justice. Et quel que soit le monde qui est impliqué dans le crime, ça de près ou de loin, je suis sûr et certain, à partir de l'enquête que nous avons menée, n'a privé celui. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Vous parlez de la zone côté professeur habité, à un courant. Non, ce n'est pas samedi. Est-ce que le président va être dans la zone? Non. J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu. Je ne dis pas un courant. Je dis que dans la zone côté l'IA, l'endroit que vous commettez crime, c'est une zone qui est presque privée d'éclairage. OK? C'est-à-dire que l'équipe qui est dans la zone, mieux ou bien haut, ce n'est pas que vous n'avez pas un courant, mais côté que vous avez fait là, presque pas un éclairage. Par insécurité, parce que il y a insécurité dans la zone, président. Est-ce qu'il y a entrée ou sortie? Est-ce qu'il y a entrée et puis il y a sortie dans la zone? Est-ce que nous avons des informations comment la zone est? Pas de notre zone, non. Par insécurité, comment le président a dit dans la zone sans habiter? Bon, moi-même personnellement, alors, quand je vous dis que le parquet était sur les lieux, donc c'est via la permanence du parquet. Parce que le parquet est un et indivisible. Donc, nous avons dépêché service permanence là. Je ne connais pas la zone. Donc, je ne peux pas décrire, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que j'ignore.
Mais un fait est certain, c'est que selon première information que nous gagnons, enquêteur nous dit que c'est à un côté qui peut se priver d'éclairage. Vous parlez de l'enquête qui est éliminé après un an, mais qui la police est fait, parce que vous avez nous maintenant, qui est sorti après un investigation. Non, comment ça que se dit? La police avec juge de paix arrivé sur les lieux. Donc, constat que vous faites, parce qu'on doit procéder au constat du cadavre. Donc, vous n'avez pas retrouvé Bousli et téléphone portable. Mais, vous n'avez pas une bourse, vous n'avez pas un téléphone portable, etc. Donc, tout ça, vous mentionnez dans le procès verbal. Non, mais enquête de voisinage, là, c'est agent de CPJ, enquêteur, qui va le mener. Donc, c'est sûr et certain que il y a de monde qui était là. Par exemple, nous au courant que Gonkazek, c'est lui qui t'a informé que t'assemblée bâtonnière a tiré. Donc, c'est sûr et certain que Kazek, ça, sont éléments importants pour enquête là. Et lui-même, il peut dire nous, est-ce qu'il était témoin des faits? OK? Donc, est-ce qu'il était là? OK? Est-ce qu'il était ouais, motocyclette, etc.? Donc, ce sont des éléments importants que nous-mêmes nous attendons. Nous sentiment renversant, assez bouleversant, c'est choquant, traumatisant. Ah, dans ma bâtonnière hier, nous discutions, nous planifions, et nous avons rendez-vous pour mardi. Mardi, nous avons rendez-vous pour nous travailler ensemble, pour nous avancer au Bawa. Ça fait mourir. En même temps, de m'a déchiré. Au cas où vous avez cette question, on entend ça avec elle. Et puis, après quelques heures, on va chercher le Bawa. Il va être malade, il va être gagné. Et puis, impunité, tolérance. Toute qualité et bagaille. Ça n'est rien allé. Tout le monde compte d'Orval. Tout le monde est dans le domaine droit. Qui n'est pas dans le domaine droit, qui est dans le domaine université, ni pas là-dedans, ni connaît d'Orval. Depuis 27 ans, c'est un professeur éminent. Il a été mon professeur à la faculté de droit. Et c'est un type de bien. C'est un modèle. Maître Dorval, c'est pas de cas imaginer parce que hier, pendant ma parole avec lui, il dit, Pierre, lui, mon cher, me font belle émission. Il me dit, même pas tant d'émissions, non pas même dit ça, mon cher. Tu es supposé dire pour me suivre. Il dit, mon cher, je me fais ça, non pour me dire, je vais parler. Même tu es supposé tout ça, vrai, mais même font belle émission. Et c'est un soir, après l'événement, c'est un avocat qui m'a alerté pour me dire, Pierre lui, mais un journaliste qui m'a dit me tirer sur M. Dorval, est-ce qu'il a confirmé? Confirmé? Qui ça? C'est M. Dorval qui prend balle. Ah oui. Je dis, pas vrai, comment ça? Et puis rapidement, je vais mettre Stanley Gaston, je vais Mario Delcy, je vais l'autre avocat encore Camille. Moi, il est naté ça, moi, il est quelque autre. C'est à ce moment-là, personne n'a pas eu de réponse parce que personne n'a pas connu. Et puis, c'est tout de suite, tout le monde courir, faire appel. Et puis, naté ça, joue une secrétaire pour dire, mais c'est elle qui parle avec elle, mais il ne va pas parler encore. Et puis, 10 minutes après, les faits sont établis. Parce que j'ai une photo que vous voyez pour moi. J'ai des mots directs que l'autre avocat qui est en train de me dire. Désolé, c'est confirmé. Et il a dit mon courage parce que ça était tellement
fait mal. Et si puis on me constate tant que Dorval que l'État va qu'à protéger, puis on me tant que Dorval qui bat 27 ans dans la ville comme professeur pour la former des générations. On monte à coup d'Orval qui sont ressources sûres. On monte à coup d'Orval qui c'est le premier des avocats de Port-au-Prince. On monte à coup d'Orval qui c'est le défenseur de sa défense. On monte à coup d'Orval qui c'est un homme humble d'une humilité très folle, par contre, qui s'affrisant, je dirais, l'innocence. Dorval, c'est un innocent. Un monde qui pas gain contre à personne. Un monde qui ouvert, qui libre dans pensée, qui indépendant. Et hier dans l'émission, pendant que j'appelle, hier soir, je t'attendais, tout me retendait parce que je suis obligé à l'attendre, ça te dit. Et ça a rappelé José Sylvain. Au moment de l'occupation américaine, George avait dit, pour toute cause, il faut des victimes. Et je me propose comme victime expiatoire pour le départ des Américains en Haïti, en 1934. Et Dorval dit, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Et puis il dit, non seulement dit, ça fait mourir, mais on crie en réalité. Je ne m'appartiens plus. Et puis il dit, j'appartiens au pays. J'appartiens au pays. Je donne ma vie en sacrifice pour le pays. C'est comme s'il y avait un sentiment ou bien pressentiment, je ne sais pas. Comme c'est un homme qui est dur de caractère, c'est sans doute qu'il a reçu des menaces qu'il n'a pas su partager ou n'a pas voulu partager avec nous, peut-être. Mais il y avait un air de satisfaction. Parce que lui dit lui-même, il fait une vivre. Il vient vivre. Donc ça le retient, toute ça le gagne, c'est pour payer. Et il disparaît tout. Il disparaît parce qu'il est rassasié deux jours. Il disparaît parce qu'on l'a détruit. Et c'est un homme qui a un bel avenir toujours dans son troisième âge. Parce que c'est ça la papouche. Et qui t'apprend Lyon, motivation pour la jeunesse. Une motivation pour le barreau. Mais il est parti. C'est sûr qu'il n'a pas voulu partir à cet âge. Et on l'a forcé à partir. Est-ce que tout le monde qui gagne compétence, est-ce que tout le monde qui gagne moyen fonctionnement, tout le monde qui a servi modèle, est-ce que c'est tout le monde qui est important dans la société, ça, qui est utile, est-ce que c'est eux pour disparaître? Bon adage que tu dis, m'a aimé. Bon, pas dire. Pas d'accord. Faut que bon dire. C'est pas bon pour disparaître. Et, bon verset dans la Bible, dans le proverbe, je crois, qui dit quand le méchant triomphe, les gens de bien se cachent. M'a pas caché. Avocat, pas caché. Monde de bien dans la société, ça pas caché. Je ne vais pas aller au pays. Je ne vais pas au Chili, je vais aux États-Unis, je vais au Canada. Le pays m'a prêté. Et tu es Dorval, hein? Quand on l'a fait pour Toussaint Louverture, on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté. Mais les racines sont profondes. On a abattu Dorval aujourd'hui. Mais les racines sont profondes. Il n'y a pas seulement le barreau de Port-au-Prince, il y a 18 juridictions. Et les avocats, tu es un avocat. Tu es un chef des avocats, c'est attaqué. Et quel que soit mon nom, on est battu avant le bon coup dans la tête. Ça veut dire quoi?
qui va éliminer au final. Donc on a, c'est comme si l'impression n'a pas besoin d'avocat, pas besoin de barreau, pas prêche. Ah, c'est bien compté, mal calculé. À moins qu'on va décider pour tuer tout le monde, pour tuer tout avocat. Et désolé, on va être capable. Et moun sa fait ça. Moun sa bel. Le lap. Il y a Kembel. Il y a Jenny, la police a Jenny, la justice a Jenny, il y a jugé. Et il y a bon avocat qui va le défendre. Tout le monde a un droit à la défense. Quel que soit le monde dans la société, ça, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit le crime ou décide de faire, et l'on décide d'attaquer un bâtonnier en exercice, c'est pour un bâtonnier qui fait dans le monde. Et s'il fait, il fait très, 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 très rarement. Et vous décidez pour détruire un bâtonnier qui n'a pas compté à personne. Peut-être parce qu'il a une conviction, parce qu'il a ça le croit, c'est ça le dit, avec sa pensée libre, et vous décidez de détruire. Pour qui ça? Alors que l'utile pays. Est-ce que c'est parce qu'il fait déclaration? Est-ce que c'est parce qu'il va faire déclaration? Est-ce que c'est parce qu'il a traité tel dossier? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas traité tel dossier? On ne va pas connaître. Mais l'enquête, c'est sûr qu'elle va couper la route. Et comme on va aller en réunion là tout de suite avec le conseil, et ce sera un conseil renforcé, il va avoir une décision du barreau et vous serez mis au courant. Moi, par contre, malheureusement, mais c'est PLR5, je ne connais pas PLR5. Malheureusement, pas de guetta à aller là quand même Dorval, personnellement. Mais pendant que l'autre avocat était sous place, il a été suivi, sous bien froid, il a des photos pour qu'il ait été entré dans le parking. Il a été guetta, c'est barrière pour se le fermer. Comme c'est quelqu'un qui vit seul. Son bar qui préparé. Donc c'est pas un simple passé. Donc barre dit au bagaille même bagaille. Mais Pierre lui qui t'a joué, combien petit client m'a donné? Malheureusement, c'est quelqu'un qui est à la soixantaine. Bagain. Malheureusement, je suppose qu'il y a vraiment même. Je précise à n'importe quel moment pour après. Bakounia. Mais il vit seul, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme. Ok, merci. Donc ses enfants. Et sa femme, c'est le barreau de Port-au-Prince. C'est ses étudiants. C'est le pays. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Bon agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.